Internet. Alors que les concessionnaires font grise mine, certains sites de vente en ligne affichent une insolente bonne santé. Moins 20, moins 30, moins 40% sur certains modèles. À ce tarif-là, peu importe la couleur, pourvu qu'on soit livré. Quelques clics suffisent à obtenir un devis et si le véhicule est en stock, il faut 48 heures pour s'asseoir au volant. Derrière ces photos virtuelles, des parkings comme celui-ci, nous sommes en région parisienne, au centre de livraison d'Auto IES, l'un des leaders de ce marché. Je viens pour récupérer le véhicule que j'avais commandé. Oui. Salim Bellili vient prendre livraison de son véhicule, un monospace flambant neuf. Vérification de l'état de la voiture, des options et paiement du solde. En 45 minutes, le client est prêt à repartir avec son véhicule. Il n'est même pas passé chez un concessionnaire. Sur la facture, 23 000 euros au lieu de 35 000 en concession. En plus, en tant que chauffeur de taxi, il ne paye pas la TVA. Encore 20% de moins à débourser. Cela fait 20 ans que cette société existe, d'abord sur le Minitel, puis sur le web. Depuis le début de la crise en septembre, son chiffre d'affaires a bondi de 30%. Pour Thierry Koenig, son cofondateur, la voiture est en train de changer de dimension. Il y a un chiffre qui est très étonnant, c'est que 35% de nos clients ne vont plus en concession. Donc aujourd'hui, l'achat par Internet est un nouveau mode de consommation, comme sur l'électroménager, comme il l'est sur les voitures depuis quelques mois. Ce secteur, en plein essor, ne représente que 5% du marché.